Nous allons voir dans cette vidéo comment régler l'anthrax sur un bateau. D'abord, qu'est-ce que l'anthrax ? Eh bien, l'anthrax, c'est la distance entre les deux axes pour un bateau de couple. Pour un bateau de pointe, cette valeur correspond à la distance entre le milieu du bateau, ou demi-largeur, et l'axe. Pour régler l'anthrax, il faut mesurer la distance entre les deux axes à l'aide d'un mètre ruban. Cette mesure s'effectue en plaçant l'extrémité du mètre au milieu de l'axe. La lecture de la valeur se fait au milieu du second axe. Pour modifier l'anthrax, il faut dévisser légèrement l'axe. Le faire coulisser dans la lumière du portant, puis revisser à l'endroit voulu. Cette opération est à réaliser sur les deux axes. Afin de vérifier que chaque axe soit à équidistance du milieu du bateau, il faut mesurer le demi-anthrax. Pour cela, il faut mesurer la largeur du bateau, diviser cette valeur par 2 pour connaître l'emplacement précis du milieu du bateau, placer le mètre sur le bordage à une distance égale à la demi-largeur. Par exemple, si votre bateau mesure 50 cm de large, vous placez votre mètre à 25 cm. Ainsi placé, vous pouvez désormais mesurer le demi-anthrax. Une fois cette manœuvre répétée pour le second axe, vous pouvez ainsi vérifier que les axes sont bien placés à une égale distance de l'axe longitudinal du bateau. Une fois les modifications terminées, il est préférable de vérifier une dernière fois la mesure. Pour un bateau de pointe, il faut prendre la mesure de l'anthrax à partir de la demi-largeur du bateau. La lecture de la valeur s'effectue également au centre de l'axe. La modification de l'anthrax s'effectue comme en couple, en déplaçant l'axe dans la lumière du portant après l'avoir dévissé.